Bonsoir, bonsoir Saigon. Bienvenue. Nouveau live sur Thor. J'ai enfin pu trouver le personnage que je cherchais, le partenaire. Fenzen. J'ai retrouvé ça dans mes collections. Donc on va pouvoir partir sur. Essayer de trouver le partenaire. Hop. Et après, bon. Ou deux. Voilà. Archadin. L'ombre de la pègre. Ah, lol, j'y suis déjà. Bonjour, maîtresse. J'ai nettoyé le vaisseau de fond en comble pendant votre absence. On respire tellement mieux. Merci. Oh, on est reparti. Donc à tous les coups, il va falloir retourner là où on était. J'ai l'impression que je le préfère à lui là. Par contre, est-ce qu'il va pas faire double emploi avec lui? Ah bah tiens. Ça. Le temps de s'en aller. Rien. Elle a combien de temps? 52 minutes. Ça. Voilà, je vais les prendre. Et après les mettre. Station de véhicules ouverte. Ça. Passez un excellent séjour. Normalement Zen et attends, je peux pas descendre jusqu'en bas.
Ouais, c'est ça. En bas. L'heure n'a pas encore sonné. Alors il est... Non. C'est belle. Berata Kalangara, Niniab Oramak Yang Meli. Parle vite. Nikak Agak, Kikabab, Naya Agam, Barakaki. Amia Nemke, La Perak Akunele. Yang Perluamka. La mena yakira nebua ripok. Nulilak apa jangkamgam. Aga nemnang nemua imuk. Karima aku. Lapa ramamka. Mamni nikak. Nang naya mamni kamgam. Kala jiwa nimuk. Pemgam. Yamanaya agam. Ni mek pagi naya. Napi kara ikap, naya kara. Napi kimaraka, niniap naan, na jaki onyan. Benga naya nuga, jinim naya lak, unnog meye. Berata kalam kara, niniap oramak yag meli. Kam inu nemuk, naja naya, akam mimik meraka. Naya nam ramkam, kala amka, mani mani, lebek bak. Anayu lebek, nepan maya karamu aku. Ke kalam bumi kam, aknaya. Memgam gamgi ninya keguan. Am nerla anyak. Ok, alors attends. Alliance. Ça, c'est un partenaire d'alliance. Allier les liens.
C'est des mises d'alerte d'alliance. Monté 14. Voilà, et maintenant il est 15. C'est le meilleur. Bila Wesson. Laissez-moi m'occuper de tout. Je ne vous décevrai pas. Il y a intérêt. Alors je dois aller où déjà? Attends, vu que c'est un partenaire. Quoi? Ah oui, blaster machin de niveau 14 par contre. Je pense que tu fasses beaucoup de dégâts avec ça, mon pote. Vert, non. Il a pas fait beaucoup de dégâts lui avec des blasters de niveau 14. Sisun Wisan. C'est ce que vous vouliez. Bon, j'achète une arme entre guillemets. Des blasters passe plus de dégâts. Blaster. L'ambassade impériale recrute tout ce qu'il y a. Des RP. Hein.
Attends. Passe à TP directement, gagne un peu de temps. Les résultats sont bien plus satisfaisants qu'ils n'y paraissent. Vous verrez. Station de véhicules ouverte. Passez un excellent séjour. Bon, ce soir, à part le stream, ça va être au moins le premier épisode d'Obi-Wan Kenobi. Disney Plus. Avez-vous besoin de soins médicaux? Portez-vous bien. Merci. Che chupa gumi ni opi, but malia bedwana ni bobo. Gaba no tase ikepuna, male tota u mishka. Ni at ambumpa boshoro mokili manklonki. Poya tuka changa goptala de bota o tawanga wanki. Patuga wata kiku uba kili, wata bonkidongo. Ni at ambumpa boshoro mokili manklonki. Neba gakam kakakyam. Glak nimu amyagalak. Chonki fagota ji hop poda ji otava kokise. Kima pa amkanamya. Kima inu memnu. Na janaya amkam. Laporam amka. Mamni nikag. Nagnaya mamni kamgam. Bumpa kombak niji, tonka liska chachanga, gaba no tase ikepuna, male tota u mishka. Et ben, la langue, ça fait penser à une langue africaine. Se gutu damote, ki hasa do ponyo lis da moto. Chobod i katsuan, dile johula kota. Bumpa kombak niji, tonka liska chachanga. Nichu watek luki. J'en ai déjà des plans.
Patuga wata kiku uba kili wata bonki donko. Wanta humpa muli rava fopa jigmampa wula. Jonga wika? Jyoto flingala. Attends, je vais voir le truc de... Héritage, réputation... Parce que nous, l'arrivée en titre, c'est drôle. Attention. Surprenant. Un titre dévoyé, initié d'ombre. Ah, ça y est, hebdomadaire, je peux pas. Je reviens dans une semaine donc. Donc je suis initié d'ombre. Oula! Ah ouais! Planche pour donner à Zen. Pack d'armure classique du cartel. 200 machins. Mais non, j'ai gagné plus de 2. Hein. Qu'en pense? Ensemble d'armure d'éclaireur des bois. D'accord. Ouais, je vais prendre plus tard en fait. On va laisser comme ça, sinon ça va prendre toute la place. 50 000. On verra à la rigueur quand il y aura plusieurs. J'aurai plus de pognon. Ok, donc maintenant. Ah, c'est fini là? Je pensais qu'il y avait d'autres quêtes à la suite avec lui. On va partir au chapitre 2 alors. Bon, là j'ai toujours pas commencé, tout l'espace, tout le bordel. Ça j'ai pas fait ça, j'attends de finir les quêtes d'histoire. C'est ça que je dois prendre. Un jour, je vais faire un autre perso.
Que puis-je faire pour vous? Il n'y a même pas des armes. Attends. Non, c'est juste pour ma classe. Revenez à l'occasion. Notre matériel vous intéresse? Quand même du matériel pour ici en fait. Des armes pour lui quand même. C'était pas du tout là que je vais aller en fait. Qu'est-ce que je fais? C'était pas par là, c'était le point. Ah.
Merci de m'avoir retrouvé ici. Le respect pour ses supérieurs est le gage d'un bon site. Bien sûr, Zash n'aurait pas partagé. Ne partageait absolument pas mon point de vue à ce sujet. Mais Zash n'a jamais respecté la tradition. Il est sage de respecter ses supérieurs. Du moins jusqu'à ce qu'on soit assez fort pour les tuer. C'est plein de sagesse. Tu n'es pas comme ton maître. Tradition
principes, histoire, les fils qui constituent notre société. Zash refusait d'admettre qu'un petit accroc pouvait détruire tout l'ouvrage. Tu as bâclé ton travail, tu as agi avec effronterie. Mais la nouvelle de son assassinat a été douce. J'ai fait de mon mieux pour nettoyer les taches de sang. Je suis sérieux. Trop de gens t'ont vu entrer dans le Temple Noir. Je compte sur toi pour être plus prudente la prochaine fois. Quoi qu'il en soit, nous sommes là pour parler de toi, pas de Zash. Tu as fait preuve d'un talent remarquable. Bien que je sois un maître plus strict que Zash, je pense que tu trouveras que le partisan fidèle des traditions que je suis ne manque pas d'être généreux. Je connais le code Sith. Je devrais savoir quelque chose d'autre. Le code Sith n'est qu'un début. Tu dois étudier l'histoire des Sith, te l'approprier. Maintenant, je veux voir comment tu travailles. Ce tombeau appartenait à Dark Andrew, un érudit Sith et un alchimiste. Je m'intéresse à ses derniers écrits qui ont été enterrés avec lui. Retrouve-les et on parlera de ta place au sein de l'organisation de mon pouvoir. Vipères venimeuses, qui ondulent encore et encore, le long des murs, sur les sols. Intruses, intruses, tu ne l'auras pas. C'est à moi, c'est le dernier endroit dans la galaxie qui m'appartienne. Dark Andrew, j'imagine. Ne te moque pas de moi, apprenti. Tu sais qui je suis. Tu m'as tué. Le poison est encore frais dans mon corps, et tu viens profaner mon tombeau avec ton frère.
Le venin m'a peut-être brûlé les yeux, mais je te reconnais. Ne fais pas la même erreur que moi. Étrangle tes enfants à leur naissance. Je ne vous ai pas tué, et la personne qui l'a fait est morte à l'heure qu'il est. Vous pouvez reposer en paix. Reposer en paix? Jamais. Je dois protéger mes biens des vipères comme toi. Des vipères venimeuses. Tu t'es introduite deux fois dans le tombeau encore habité d'un seigneur Sith sans y être préparée. Regarde autour de toi. Regarde les ossements, les vêtements en lambeaux. C'est ici que Thanaton conduit ceux qu'il méprise jusqu'à la mort. Tu le suis aveuglément quand tu devrais songer à le vaincre. On va suivre un plan ? Écoute, chère de ma chair. J'ai senti quelque chose en toi depuis le jour où je t'ai rencontré. Tu as une influence rare sur les fantômes. C'est la source d'un grand pouvoir, mais ça a détruit de nombreux sites. C'est ta seule chance contre Thanaton. Qu'est-ce que ça veut dire que j'ai une influence sur les morts ? Ils sentent ta présence de loin, comme moi, et tu éveilles des émotions fortes en eux, comme avec ce fantôme. À mon époque, il y avait chez les Sith des mouvements mystiques qui cherchaient à communiquer avec les fantômes et exploiter leur pouvoir. On raconte qu'un Sith du nom d'Ergast dévorait les fantômes comme ton Dashad dévore les utilisateurs de la Force. Son savoir a été enterré avec lui, à côté du Temple Noir. Retrouve ce savoir. J'espère que vous ne vous trompez pas sur son savoir. Bonne chance, chère de ma chair. Ne me pousse pas à te rappeler que tu es le dernier espoir de notre lignée. Tu dois prendre des forces avant d'affronter Thanaton. Je n'aurai pas la force de te défendre une fois. Il y a rien à récupérer, il y a pas de loot. Il n'y a pas un holocron. Donc je dois descendre. Ah bah putain. Et là, finalement, descendre. Je pourrais aller là. Attends. Attends. On est là en fait. Alors il faudrait... Ah ouais.
J'ai rien qui vole. Remonter là. À monter. Il y a pas de double saut. Hein. D'un grappin. Logiquement, faut aller là pour tomber là. Là, faut dans la tube pour pouvoir voler. Hein. Allez. C'est bon, de pouvoir. La texture de merde. Ah. Et là-haut. Et on va pas rester dedans, tant pis. Non, parce que si on y est encore. Hein. On va passer ma soirée à chercher. Dommage qu'on peut pas mettre de ping. Trouver l'holocron qui était là.
Ah bon? Rudy. Avez-vous besoin de soins médicaux? Portez-vous bien. Parce qu'une fois arrivé dans le vaisseau, il aura plein de choses à nous dire. Si je peux récupérer, attends. Aguinaya. Rebonjour. Heureux. Attends, toi, est-ce que je peux t'enlever tes armes? Appelez-moi si vous avez besoin de moi. Parce que là, c'est comme 68, hein? Voilà, comme ça, 66. Je vais faire plus de dégâts avec ça. Hein. Ah non, ça joue mal en fait. Ah d'accord, donc en fait ça sert à rien en fait. Moi je pensais que en changeant ses armes, en fait il faisait plus de dégâts, mais ça change que dalle en fait. Là, ça change rien là. Dommage. À quoi ça sert de bon, changer juste pour le look? Ça change pas les dégâts. Autant lui laisser ça. Aguinaya. Alors, vous avez besoin de moi finalement? Même si je lui enlève les armes, de toute façon, autant de dégâts. Je pense que je vais travailler un peu sur le vaisseau.
Paris. Parce qu'il doit augmenter de dégâts s'il augmente de niveau réputation. Enfin, réputation. Il y a réputation entre nos persos et lui. Donc pas besoin que je m'emmerde et essayer de changer. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Le capitaine Fitzik refuse de le dire, mais les esclaves sont pas revenus. Non. Rien à lui faire. Ces armes à lui, on peut pas les changer. Ah non, faut que je retombe le noir. D'accord. Je vais.
Moi, mon arme, à quel niveau? 70, il va falloir que je l'améliore, franchement. Où je vais? Ah oui, c'était pas celui-là, c'était l'autre. Je discute dans le chat et puis je loupe le chemin. Jedi au level 5 lumière. Je pensais qu'on pouvait le faire, moi.
à Chronoma. Si. Armure légère, par contre. Allez, on peut pas changer. Ah, mais. À une nouvelle capacité d'avance sur une cible alliée. Ah, réduit également sur. Je me dis à quoi ça sert. Taper. Il y a un bug. Bienvenue, chercheuse. Je suis le serviteur d'Ergast, seigneur des sites, gardien de son savoir. Qui se tient devant moi et que voulez-vous apprendre? À manger des fantômes. Sage gardien des secrets, je cherche le rituel qui me permettra de contourner un fantôme en colère. On ne peut rien faire contre la mort. Mais on peut lier un fantôme et utiliser sa force pendant un certain temps.
Vous devez tirer sur le lien qui unit la vie et la mort. Vous devez apprendre à lier les deux côtés de la force, la vie et la mort, dans ce qu'on appelle le transfert de force. Je ferai de mon mieux, si vous m'apprenez. Voyez les ossements qui vous entourent. Tout le monde n'est pas en mesure de maîtriser le rituel du transfert de force. Mais si vous vous sentez prête, buvez dans cette coupe devant moi. C'est du poison, mais ça ne vous tuera pas. Vous avez bu ? Bien. Le poison fera vite effet. Vous pourrez ensuite apprendre le rituel du transfert de force. Maintenant que vous avez perdu connaissance, on peut commencer. Le rituel comporte deux volets. D'abord, la pacification. On ne peut pas lier un fantôme en colère. Ensuite, le lien. Un fantôme bien disposé est plus facile à lier, mais en laissant sa volonté au fantôme, vous tirerez moins de pouvoir. Il est possible de conclure un pacte avec le fantôme, scellé dans le sang. On peut également réaliser le rituel du lien. Bien, vous apprenez vite. Ça fait longtemps qu'une créature aussi prometteuse n'est pas entrée dans mon tombeau. J'aimerais savoir à qui je parle. Je suis Ergast, seigneur des Siths. Vous ne pensiez pas que j'allais laisser ce rituel se dérouler aussi facilement. Voici le test. Liez-moi et vous serez libre. Je marcherai à vos côtés et je verrai l'Empire une nouvelle fois. Échouez, et je vous tuerai. Et n'essayez pas de conclure un marché avec moi. Je résisterai. Vous avez réussi le test final. Je suis votre esclave à présent, et mon pouvoir est à vous. Je suis lié à votre vie et vous à ma mort. Utilisez ma force pour vous protéger contre vos ennemis. D'accord. Aux personnes qui passent sur mon live, si vous n'êtes pas des bots. Avez-vous besoin de soins médicaux ?
Portez-vous bien. Maintenant, faut se retaper le chemin inverse. Et là. Et là-haut. Se rapprocher. Paré au départ. Non, c'est pas là ou là. Bon séjour. Guinaya. Allô, allô. Allô à l'huile.
veux pour le taper. Le seul remède à la folie, c'est la folie! Que s'est-il passé? Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu n'es pas ma fille. Amène-moi cette misérable traîtresse, que je les tripe! C'est ce qu'on appelle le transfert de force. Je m'approprie votre pouvoir. Et quand je pense que j'ai éclaté de rire quand on m'a dit qu'un tel rituel existait. Tu penses vraiment que tu peux utiliser mon pouvoir? Peu importe. Tu ne m'auras pas. C'est mon dernier refuge. Et je ne serai pas ton esclave. Je vous libérerai quand j'en aurai terminé. Tu me libéreras? Je ne serai pas lié à toi ni à ce tombeau. Scellons ce pacte dans le sang, et j'accepterai. Eh bien, affaire conclue. Lol, on dirait qu'elle se coupe la main. Mon pouvoir est à toi. Mais je te prends au mot quand tu promets de me libérer. Bien joué. Avec le pouvoir de ce fantôme et de l'autre, tu pourras te protéger des foudres de Thanaton. Prends ces écrits et montre à Thanaton que tu as été une bonne apprentie. Par sur la force inquisiteur Sith, 300 après. Intéressant ça. Attends. Ah. Ok, donc il est où Dak machin là? L'ancien bureau. Pour faire une petite. Ah oui, mais là-bas. Une heure et demie que je live. À tout de suite.
Voilà ce qu'on m'a demandé. Tu m'as mis dans une position délicate. Quand Zash m'a désobéi et a fait tuer Scotia, la tradition voulait qu'elle soit tuée et que la base de son pouvoir soit détruite. Crois-moi quand je te dis que j'aurais préféré que tu restes dans ce tombeau. Je vais avoir beaucoup de peine à te regarder mourir. Oubliez les traditions. La force me libérera. Ce n'est pas ça l'idée ? Sans ces traditions, les Sith baigneraient tellement dans leur sang qu'ils ne verraient pas leurs ennemis les prendre pour cible. Que la force t'accueille à bras ouverts. Tu es là ! Tu n'abandonnes jamais. Je comprends pourquoi Zash t'a choisi. Mais ça a assez duré. Étonnant. Je ne pensais pas qu'une personne aussi acharnée que toi aurait préparé une telle défense. Malheureusement pour toi, je suis plus vieux et plus sage, et j'ai étudié des rituels que tu ne peux même pas imaginer. J'ai des affaires à régler sur Malachor 3. Prépare mon vaisseau et nettoie tout ça. Oui, Excellence. Excellence, vous êtes réveillé. Dépêchons-nous de partir. Si Thanaton découvre que vous êtes encore en vie, on risque d'avoir des ennuis. Vous êtes qui, déjà ? Je suis votre apprenti, Cal. On doit retourner au vaisseau.
Avez-vous besoin de soins médicaux ? Portez-vous bien. Memgam kangi ninya kegwan, am nerla anyak. Nayanam ramgam, kal amka mani mani lebebak. Nuilak apa jangamgam, aka nemnang nemua imuk. Beraka kalangkara, ninyap oramak yag meli. Nani kara meraka akam, chauk libik meraki naba. La naja mamwar, labo ramamka. Mamni nikat, nang naya mamni kamra. Benga naya nugan, jinim naya lak, unnag meye, manuk meraka naja. Ki namabam, yek makala. Yang perluamka, lame naya kira nebua ripok. Nikat agak, kikabab, naya agam meraka ki. Nebagak kamka kakyam, glak nimu amya galak. Kara imi ak nikat nikak, kinyak kak anak monjam. Naya nam ramkam, kala amka mani mani lebebak, kala jiwa nimok. Emgam, yama naya agam. Nuilak apa jangamgam, apka nemnang nemua imuk. Excellence, vous revoilà. On croyait que vous étiez morte. Si vous vous étiez fait piétiner par un troupeau de bantas, vous ne seriez pas en pire état. On a suivi les serviteurs de Thanaton. On les a éliminés. Et on vous a sortis d'un fossé. Au début, vous n'aviez pas de pouls. Mais Cal a remarqué que vous étiez encore chaude. Je ne sais pas comment vous avez fait pour survivre à ça. Ça explique pourquoi je suis encore en vie. Où est Thanaton ? Vous êtes sûr d'être prête à l'affronter ? Il vous a joué un sacré tour. Tu as survécu. C'est la chose la plus étonnante que je n'ai jamais vue. Je n'arrive toujours pas à comprendre. On dirait que le rituel de Thanaton était trop puissant pour ton bouclier, mais il n'a pas vraiment compris le lien qui t'unit aux morts. Pour te tuer,
Ils auraient dû purger leur esprit. Tu es morte et leur présence t'a maintenue en vie. C'est fabuleux, mais que fait-on? On ne peut pas attendre que Thanaton revienne nous tuer. Si seulement on connaissait le point faible de Thanaton, il ne serait pas à moitié cyborg par hasard? Non. Thanaton déteste les modifications de ce genre. Il a défendu Spotia parce qu'il m'a apprécié moins, c'est tout. On doit faire en sorte que Thanaton ne puisse pas briser votre bouclier. Corinne a raison. Ses serviteurs ont dit qu'il était plutôt affaibli après vous avoir mis KO. Un peu plus de pouvoir et... C'est un pari risqué. Personne ne sait ce que ça coûterait vraiment d'acquérir autant de pouvoir aussi vite. J'ai bien conscience des dangers, mais je prends le risque. C'est la seule option de toute façon, n'est-ce pas? Alors, où est-ce qu'on va trouver d'autres fantômes? Les Jedi sur Taris faisaient des recherches sur quelque chose de ce genre. J'ai envoyé un homme se renseigner peu de temps avant mon changement malheureux. Je vais devoir approfondir les recherches à ce sujet pour le confirmer, mais je te suggère de le contacter. Un seul ne suffira pas. Quand j'affronterai de nouveau Thanaton, je veux l'écraser. J'aimerais pouvoir te proposer plus, mais pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. Corinne et moi, on va continuer à creuser. Et on gardera un œil sur Thanaton. On vous informera de ses moindres faits et gestes. Bonne chance, Excellence. Assez, enfin. Ce monstre me laisse un sursis. Apprenti, je te promets une chose. Si tu me fais sortir de cet horrible corps, je te donnerai un pouvoir qui surpasse ton imagination. Ce corps convient parfaitement à votre personnalité. Oui, 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 Zash, le vilain monstre, très malin. J'ai failli changer d'avis pour le rituel, tu sais. Je l'apprécie sincèrement, mais c'était ça ou la mort et je n'ai personne à ce point. Moi non plus. Génial. Tout va bien, alors? Ne joue pas aux susceptibles. Tu devrais être habitué à ce genre de combat, maintenant. Si on ne peut pas le faire sortir de ce corps, assure-toi au moins que ce monstre soit muselé pour de bon. Kemval est peut-être un monstre qui dévore les utilisateurs de la Force, mais il ne m'a jamais menti. Je trouverai comment sortir de ce corps, ou dans le pire des cas, j'en prendrai le contrôle. C'est tout ce que tu dois savoir. J'ai hâte que vous mettiez vos menaces à exécution, qu'on s'amuse un peu. Toujours aussi sûr de toi. N'oublie pas, tue-moi et tu perdras ton précieux Ken par la même occasion. C'est bon. C'est le rentre de Taris. Zash, vous avez appris quoi que ce soit d'autre sur le fantôme de Taris? Ni pate uvaro isandan soare kanidede akja swaluda is. La vieille est jamais là quand on a besoin d'elle. Ginen gangan gisat. Désolé, mais j'ai besoin de lui parler. Anims jai fragibans, imbate sunjas, puijangardos wai parpana. Tu es obligé de m'obéir, monstre. Alors obéis. Ni batai ufaro wisandan, soare kani dede. Merci. Quel plaisir de pouvoir à nouveau jouir de mes facultés. Tu n'imagines pas à quel point c'est troublant d'être repoussé dans les confins de sa propre conscience. Mais tu ne m'as pas appelé parce que je te manquais. De quoi as-tu besoin? Vous avez dit qu'il y avait un fantôme sur Taris. Ah oui.
J'ai effectivement déniché de nouvelles informations avant de... perdre le contrôle. Le fantôme que tu cherches était jadis un site de la force d'invasion de Dark Malak, qui a détruit Taris il y a des centaines d'années. Ce fantôme était l'un des sites abandonnés ici lors du dernier bombardement, pour quelque raison que ce soit. Ça arrive à tout le monde d'être un peu susceptible. Vous savez autre chose ? Tu trouveras Helios Malis à la base impériale. Il t'en dira plus. S'il se montre insolent, rappelle-lui mon bon souvenir. Taris, tu as fait. Cette histoire. Avec mon premier personnage. Taris. Donc, j'ai déjà fait Taris. Que puis-je faire pour vous ? Revenez à l'occasion. Vous voulez améliorer votre arsenal ? Bonne chasse. Bon, le truc qui reste affiché là. Notre matériel vous intéresse ? Non, parce que t'as rien du tout. Si je peux lui changer de look. Et que j'ai oublié de le faire.
va déjà voir ça, ça donne. Ah bah je peux pas lui mettre alors comme ça c'est... Ah bah oui, je suis con. C'est que ces trucs là que je peux lui mettre, abruti. J'ai complètement zappé. Déjà venu. Helios Malice, on vous a envoyé ici pour enquêter sur un fantôme. Qu'est-ce que vous avez appris ? Je suis occupé. J'ai pas de temps à perdre avec... Oh, Excellence, pardonnez-moi, je ne vous avais pas reconnu dans cette tenue. Vous êtes si majestueuse. Quelle agréable surprise. Les rumeurs les plus sinistres courent à votre sujet. Ne croyez rien de ce qu'on raconte à mon sujet. Oui, bien sûr. Ces ragots ne sont qu'un tissu de mensonges. Vous me parliez du fantôme, n'est-ce pas ? Voyons, je peux vous dire que j'ai travaillé dur pour mener cette enquête. C'est juste que les Jedi surveillent la vieille enclave Jedi de très près. Et c'est là-bas que... Le fantôme est apparu pour la première fois. Espérons que les gardiens de la lumière seront ouverts à la discussion. Il vous sera sûrement plus facile de vous charger des Jedi que de voir le fantôme. Le fantôme n'apparaît que de manière sporadique. Même les Jedi qui gardent l'enclave ne peuvent pas l'invoquer. Ils utilisent même un jeune Padawan pour essayer d'attirer le fantôme par les liens du sang, je crois. C'est futile, si vous voulez mon avis, mais je ne suis pas expert en la matière. On dirait que les Jedi ont un maillon faible. Les Jedi la surveillent de près, mais vous tenez peut-être une piste. De nombreux Sith sont nés d'un Padawan facilement impressionnable. Je n'ose imaginer qu'un jeune Padawan impressionnable puisse résister à votre charme. Et ça vous éviterait de devoir affronter une petite armée de Jedi. C'est pas une mauvaise idée. Je ne vis que pour servir. Bien sûr, vous allez devoir l'éloigner de ses protecteurs Jedi. Rendez-vous sur le terrain d'entraînement des Jedi, près de la cascade. C'est une zone abandonnée et dangereuse. Les enregistreurs de données qui s'y trouvent vous renseigneront peut-être sur elle. En attendant, je vais essayer d'en apprendre davantage sur ces maîtres Jedi. Ah non, je... D'accord.
Moi je veux plus, plus de musique sur du strike de Je n'y arrive pas. Vous savez quoi? Si vous voulez déplacer un rocher, vous n'avez qu'à utiliser un droïde. Calme-toi, Ashara. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a que la paix. Essaie encore. J'ai assez essayé comme ça. J'y arrive pas. Aie confiance en la force, et même le plus ancien et le plus solide des murs s'écroulera. Oubliez ça. S'il y a vraiment des sites sur Taris, on ferait mieux de les combattre au lieu de rester ici à rêvasser. Patience, Ashara. Il faut se libérer des émotions et trouver la paix qui nous permettra d'utiliser la force. Réessaie maintenant. Le code Jedi affirme, il n'y a pas de passion, il n'y a que la sérénité. Quelqu'un peut m'expliquer ce que ça signifie, Ashara? Ça veut dire qu'un Jedi doit pouvoir réfléchir calmement, même dans les situations les plus intenses. La passion est un outil du côté obscur. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a que la paix. Ça veut dire qu'un Jedi doit tempérer son intuition par la sagesse. Il n'y a pas d'ignorance, il n'y a que la connaissance. Excellent, Ashara. Vous voyez, cette ligne du code fait le lien entre les autres éléments du code.
Mais non. Ashara, arrête! C'est un ordre! Mais j'étais en train de gagner! Tu dois apprendre à te contrôler. Varek n'est pas ton égal. Tu n'avais aucune raison de poursuivre l'attaque. On s'entraîne pour la guerre. Les Sith ne se rendront pas à eux. On doit les repousser avec tout ce qu'on a. Tu n'as pas affaire à des Sith, mais à tes camarades. Tu as beaucoup de potentiel, Ashara. Mais tu dois modérer ta ferveur pour la lumière en apprenant la patience.
Combien de fois il y a... Varek, Ellie et Cassius, vous serez dans le groupe d'assaut. Les autres, vous serez les renforts. Des questions? Alors, en position. Maître Ryan, je crois que vous m'avez mise dans le mauvais groupe. Tu fais partie des renforts, Ashara. Ton rôle est de soutenir l'équipe d'assaut. C'est ce que je veux dire. Je devrais être dans l'équipe d'assaut. Varek sait à peine tenir un sabre laser. Il est crucial que tu apprennes à aider tes camarades Jedi. Varek n'a pas ton assurance. Il a donc besoin de ta compassion et de tes encouragements. Mais Maître Ryan ! Ça suffit, Ashara. Tu as reçu tes instructions. Rejoins les autres si tu veux compléter ton épreuve. J'ai trouvé les banques de données. Notre Padawan a un petit problème de fierté. Elle n'est pas la candidate idéale pour être un Jedi. Excellent. D'après mon expérience, la fierté va souvent de pair avec l'insécurité. Excellence, votre découverte est inestimable. Elle a le sentiment que les Jedi ne croient pas en elle. Je dois lui montrer que moi, si. Oui. Très bon plan. Promettez-lui le pouvoir ou la richesse. Ce qu'il faudra pour gagner sa confiance. Voyons, qu'allons-nous utiliser? Il faut quelque chose qui puisse tenter un jeune Padawan.
Je sais convaincre les gens. Je ne doute pas de votre charme, Excellence, mais vous êtes un Sith. Elle ne vous fera jamais confiance sans quelque chose pour l'y inciter. Ah, bien, nous y voilà. Cet avant-poste était jadis occupé par les serviteurs d'un Sith puissant. Ils y auraient abandonné un holocron quand ils ont fui le Sith. Son contenu n'est certainement pas de votre niveau, mais quel padawan ne se laisserait pas tenter par un savoir interdit? Je la pousse à utiliser l'holocron et je laisse son contenu obscur se charger du reste. Exactement. Une fois qu'elle aura basculé du côté obscur, la fille fera tout ce que vous voudrez. Mais avant toute chose, vous allez devoir trouver l'holocron. L'avant-poste abandonné est dans une région voisine. Je vous transfère ses coordonnées. Mais soyez prudente. L'endroit grouille de Rakghouls et d'autres monstruosités. La cantine. Que puis-je faire pour vous ? Revenez à l'occasion. Ça, il y a lui ici, faut que je pars à gauche. Quand même pas assez. Attends. Par là, non? Bon, eux, ils ont les speeders qui vont à 200 ou 300%.
Là, ça serait pas là. Nani kare merata akam, tauk libik meraki nava. Nama shikuria konuna. Mia colonna. J'ai trouvé l'holocron. Excellente nouvelle, Excellence. Et j'ai le plaisir de vous informer que j'ai trouvé l'endroit idéal où attirer votre padawan. Des marécages suffisamment proches du territoire de la République pour qu'elle se sente en confiance, mais suffisamment éloignée pour qu'elle soit à votre merci. Un grand merci. Je vous conseille de contacter la fille par le biais de l'holocommunicateur d'un soldat de la République. Les Sith ont souvent utilisé des holocrons obscurs pour corrompre les Jedi les plus faibles. Si vous réussissez à convaincre le Padawan de le consulter, elle tombera, elle aussi.
Akam Amka. Quand tu veux pour attaquer. Attends. Voilà dans le... Ah oui, d'accord, faut être juste d'abord. Hein. Ashara Zavros, j'ai découvert un objet qui, je pense, devrait vous intéresser. C'est un holocron très puissant. Qui êtes-vous? Comment connaissez-vous mon nom? Et qui vous dit que je m'intéresse aux holocrons? La vérité, c'est que je suis un Sith et que j'ai besoin de votre aide. Un Sith? Que faites-vous sur cette fréquence? Ne m'approchez pas ou je vous fends en deux. Je ne connais pas le code Jedi par cœur, mais je doute qu'il y soit question de fendre les gens en deux. Si le rôle d'un Jedi n'est pas de chasser les vermines de votre espèce hors de la galaxie, alors je ne sais pas ce que c'est. Je ne veux rien savoir de vous ou de vos secrets obscurs.
ni même de cet holocron. Pourquoi vous adresser à moi? Vous pourriez apporter l'holocron à l'un des maîtres, Ryan ou Osera. J'ai entendu parler de votre sagesse et de votre puissance. Vraiment? Je ne vous crois pas. Les maîtres ne me trouvent ni sage ni puissante. Mais même si j'étais intéressée, je ne pourrais pas quitter la base. Vous n'obéissez pas toujours au maître, si? L'obéissance est la voie du Jedi. Même s'il y a toujours des exceptions. J'accepte. Dites-moi juste où vous retrouvez. Un peu facile, hein? Je vous envoie les coordonnées d'une enclave dans les marécages. Oui, je sais où c'est. Je vous y retrouve le plus vite possible. Si on m'interroge, je pourrai toujours répondre que je pars m'entraîner. D'accord, on va aller jusqu'à où maintenant? Finir le live là-dessus. Où vous êtes de la même race. Très bien, Sith. Je suis venue. Pas d'entourloupe. Ne me sous-estimez pas parce que je suis un padawan. Même Maître Osera ne m'a jamais battu au sabre laser. Voici l'holocron, comme promis. Un Sith tenant parole. J'aurais vraiment tout vu. C'est étrange. Je n'en avais jamais tenu. Je pensais que c'était plus lourd. Vous pouvez le remettre à vos maîtres, mais en échange, j'ai un service à vous demander. Ça dépend de ce que vous voulez. Je n'irai pas à l'encontre de mon enseignement. C'est le fantôme de l'enclave Jedi qui m'intéresse. Le fantôme ?
Non ! Aucun Sith ne peut entrer dans l'enclave Jedi. Qu'est-ce que vous lui voulez, de toute façon ? Mon maître veut ma mort. J'ai besoin de l'aide du fantôme pour le vaincre. Mais aucun rituel ne pourra le forcer à vous aider. Les maîtres auraient trouvé le moyen de l'amadouer si c'était possible. Qu'est-ce qui vous dit qu'il vous aidera ? Je vais vous révéler un secret. Je fais des rêves. J'ai des visions. J'ai vu que je réussirais à apaiser le fantôme. J'ignore comment ou pourquoi. Je sais juste que c'est ma destinée. Je vois que les maîtres ont raison de vouloir protéger l'enclave. Alors invoquez le fantôme devant eux. Je vous jure qu'il ne leur sera fait aucun mal. Ils auraient tôt fait de vous maîtriser en cas d'attaque. Très bien. Marché conclu. Je vais préparer l'enclave et prévenir les maîtres. Ok. Jusqu'à l'autre bout du monde, bien sûr. Ah ouais, c'est carrément là. Eh ben moi, je vais me taper. Peut-être me taper là, tiens. L'aurore tarisienne. Et je pense que je vais rester là pour ce soir. Ah tiens, ok, en attente là-haut là. Ah bah tiens, niveau 40. Là je règle le truc. Ah ouais. Eh ben pourquoi pas. Ok, je pense que j'ai fait le tour. Donc là je suis niveau 2, ok. Bon. Et bien sur ce, on va rester là pour ce soir. Je pense qu'on se retrouvera demain pour la suite. Et je vous dis donc rendez-vous au prochain live. Merci à tous et à bientôt. Au revoir. That's the way.